de cet esprit par lequel tu nous as aimés. Merci Seigneur Dieu de toucher les cœurs, même ceux et celles qui sont encore loin de ton amour. Je comprends, Papa, que ce n'est pas à force d'en parler que ça va entrer tôt ou tard, mais c'est vraiment juste par une révélation que ça peut vraiment pénétrer dans les ondes d'ombre de nos âmes. Là où nous étions blessés, persécutés, là où les gens ont pris leur plaisir pour nous briser, nous blesser, c'est là où, Seigneur, tu veux déverser ton amour ce matin. C'est par ton amour que tu veux nous transformer. Alléluia. Tu nous invites ce matin à simplement ouvrir le cœur pour recevoir de toi quelque chose qui, dont notre connaissance est toujours impossible. Et nous le prions au nom glorieux de Jésus. Je sais que le mot impossible, ce n'est pas vraiment un mot qui appartient à notre vocabulaire. Jésus, il a dit, pour celui qui croit, rien n'est impossible. Donc j'aimerais quand même expliquer pourquoi j'utilise le mot impossible. Je dis impossible en raison de la nature humaine, divine et éternelle de cet amour. Il ne se vante point, il ne s'enfle jamais. C'est un amour qui ne fait il ne cherche pas son propre intérêt. Je dis impossible en réalité. Son amour est qui mais il y a toujours de la défi car c'est pas tout, il guérit tout. Il croit, il est, il délivre tout, il supporte tout. Je dis impossible en raison de sa persévérance malgré mes obstacles, sa persistance malgré mes blessures. Et sa patience malgré mes obstinations. Car cet amour ne se détruit jamais. Il ne cesse point, il ne périt pas. Il est irrésistible, imperceptible, inaccessible. Il est incroyable, incroyable et inimaginable. Il est inaliénable, incomparable et incomparable. Il est immuable, incurable et impénétrable. Je dis impossible en raison de sa longévité, de sa divinité, de
sa témérité. Car les prophéties prendront enfin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, les révélations n'auront plus d'importance, les miracles, les prodiges, les signes, les merveilles perdront leur attirance. Mais cet amour durera, persistera, continuera, subsistera. Je dis impossible, en raison de sa source, le trône de Dieu, sa route, la grâce de Dieu, son objet, la création de Dieu. Car même si je parle toutes les langues des hommes et même les langues des anges, sans cet amour, je ne suis qu'un arin qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'exerce le don de prophétie, si j'acquis la science de tous les mystères, si j'obtiens toute la connaissance de l'univers, et si je n'ai pas cet amour, je ne suis rien. Je dis impossible. En raison de sa rédemption, de sa réconciliation et de son incarnation. Car si j'ai la foi pour déplacer les montagnes, si j'ai l'audace de prêcher aux foules, si j'ai la passion de nourrir les pauvres, si j'ai le courage de subir la persécution, si j'ai la voix pour louer l'Éternel, si j'ai la force pour confronter l'injustice, et si j'ai la vaillance pour me livrer à la mort, mais je n'ai pas cet amour, je ne suis rien. Je dis impossible, non pas parce que je ne peux pas l'avoir, mais parce qu'il vient d'un autre monde. Je dis impossible, non pas parce qu'il est hors de mon portée, mais parce qu'il ne vient pas. Je dis impossible, non pas parce que je ne le goûterai jamais, mais parce qu'il a un goût que je ne comprendrai jamais. Je dis impossible, non pas parce qu'il ne m'envelopperait pas, mais parce que lorsqu'il m'attrape, il me changera. Je dis impossible, non pas parce que Dieu ne veut pas me le donner, mais parce que dès qu'il est à moi, je serai éternellement à lui. Amour impossible. Le mot en grec que Dieu, que la Bible utilise pour cet amour impossible, c'est le mot agapé. Comme le pasteur Samuel a dit dans son message il y a quelques semaines, il y a plusieurs mots en grec que nous traduisons amour. Vous vous souvenez certainement la fois où Jésus pose la question à Pierre en disant « Pierre, m'aimes-tu ? » Jésus utilise le mot agapé, l'amour impossible. Mais à chaque fois, Pierre répond avec un autre mot, le mot filio, qui est l'amour fraternel, l'amour humain. Je me demande si Pierre a vraiment saisi le message de Jésus. Dieu nous demande l'impossible. Il demande d'aimer avec un amour qui n'est pas le nôtre. Il nous demande de le louer avec un amour qui n'est pas d'ici-bas. Un amour qui est impossible, un amour qui ne vient que de lui, qui ne parvient du ciel, qui ne peut descendre de son trône de grâce. Quel chrétien misérable, quand même, qui lit la Bible. Et qui dit, là où Jésus dit, il n'y a pas un amour plus grand que
que donner sa vie pour son ami. Et on se demande, mais oula, donner ma vie pour Jésus, ok, mais pour mon frère, ben ça dépend lequel. Tu vois, c'est impossible ce que Dieu demande de nous. Si nous essayons de le faire avec ce que nous possédons depuis notre naissance physique. Mais si nous apprenons à recevoir cet amour impossible à l'homme, entièrement possible à Dieu, tout d'un coup, pour nous, rempli d'un tel amour impossible, tout devient possible. Même donner sa vie pour ce frère particulier. L'amour impossible est un amour qui vient de Dieu, ce n'est pas un amour humain. Et à chaque fois dans la Bible, il faut comprendre quand la Bible utilise ce mot amour, et on va juste regarder à nouveau notre texte. Parce que là, notre texte nous donne vraiment cette définition de ce qui est cet amour impossible. Revenons un instant à notre texte, et là où nous voyons le mot amour, on va substituer le mot agapé ou agapao, qui est le verbe. Bien-aimé, agapao, nous, les uns et les autres. Ce n'est pas le mot filio, l'amour fraternel. Ce n'est même pas l'amour que Pierre manifestait envers Jésus-Christ. C'est un amour divin, un amour qui vient du ciel, que je viens d'écrire. Non, il dit, bien-aimé, agapao, ou aimer les uns les autres par cet amour qui vient du ciel. C'est ça le premier commandement de Jésus. Le commandement de Jésus commence avec le mot agapé. Agapao Dieu et agapao ton prochain comme tu t'agapao toi-même. Ça n'a rien à voir avec l'amour humain, aussi noble qu'il peut être parfois. Il y a des hommes, les femmes qui font des exploits autour du monde, qui créent des œuvres de charité, qui font vraiment des choses stupéfiantes pour aider leurs prochains. Et ils le font avec un amour qui est noble, mais c'est un amour humain. Il a ses limites. Mais l'amour qui vient du ciel n'a jamais de limites. Et toutes choses qui peuvent se poser comme obstacle, il tape jusqu'à ce qu'il y a des failles dans chaque obstacle. Mais il est tellement persistant. Une fois déclenché, cet amour ne s'arrête pas. Alléluia. Merci Seigneur que cet amour ne s'est pas arrêté par rapport à moi. Car agapao est de Dieu. Ou agapé est de Dieu. Cet amour coule depuis son trône. Il est la source. Sans lui, sans la source d'agapé, l'agapé est impossible. Un être humain ne peut jamais évoluer suffisamment pour atteindre l'amour qui coule depuis le trône de Dieu. Tu es quelqu'un de génial, je ne le doute pas. Il y a quelques-uns plus géniaux peut-être que d'autres. Je ne vais pas juger. Et je peux dire qu'il y a pas mal d'amour humain dans cette salle. Merci Seigneur. Vaut mieux l'amour humain que la haine humaine. N'est-ce pas? Ouf. Mais ce n'est pas ça le commandement de Dieu. Le commandement n'est pas « aime ton prochain que tu as eu de ta maman ». Non, ce n'est pas ça le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, et c'est pour ça que la Bible dit que c'est un nouveau commandement.
Le commandement n'est pas « aime Dieu par ta force ». Aime ton prochain comme avec ta force. Non, le premier commandement, c'est aimer par l'amour qui vient du ciel. Et c'est vrai qu'au début, on se demande, mais ouh, comment? Ben, déjà, il faut trouver la source. Amen. Il faut trouver la source. Il faut se mettre sous la source et faire le plein. Car si ton réservoir est vide, de quoi vas-tu aimer ton prochain? Tu vois, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de surstock. Amen. Je t'aime avec mon réserve. Je t'aime avec ce qui déborde de ma vie. Je ne t'aime pas depuis ma pauvreté. Je t'aime depuis mon abondance. Vous me suivez ce matin. J'espère que je ne vous ai pas perdu au long du chemin. Et mes amis, là-dedans, il y a un message, une bonne nouvelle. Waouh! Cet amour ne dépend pas de moi. Si, en quelque sorte, mais je ne suis que le tuyau par lequel passe la source. Est-ce possible que mon tuyau soit contaminé, abîmé? Oui, c'est possible. C'est-à-dire que mon tuyau peut être bien connecté au robinet, à la source. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est fortement déconseillé de boire l'eau qui sort du tuyau d'arrosage. OK? Ce n'est pas de l'eau potable. À la source, c'est potable, mais au bout du tuyau, ce n'est pas forcément bien potable. Pourquoi? Parce que souvent dans nos tuyaux, il y a des impuretés, des produits toxiques. Et c'est pour ça que c'est déconseillé. Donc parfois, il y a toute une œuvre du Saint-Esprit pour nettoyer notre tuyau. Hello! Regarde la personne à côté de toi. Et dis-lui, non, ne lui dis rien, en fait. On n'a pas besoin de dire quelque chose dans cet instant-là. Ouf! Et c'est pour ça que la Bible dit, quiconque aime, mais par cet amour, ce n'est pas juste aimer avec l'amour humain, mais quiconque agapao est né de Dieu et connaît Dieu. Parce que l'agapé est impossible sans être né de lui, sans le connaître. Mais ce qui est sous-entendu, c'est que pour ceux qui sont nés de lui, ceux qui le connaissent, cet agapé, c'est la chose la plus naturelle qui est surnaturel. Dieu et cet agapé de Dieu a été manifesté, et ce mot manifesté veut dire cet amour est entré, cet amour a été donné, a été révélé. Et c'est pour ça que c'est un nouveau commandement qui dépasse tous les autres commandements. Les 10 commandements existent encore, mes amis. Lorsque Jésus nous a donné un nouveau commandement, il ne voulait pas dire qu'il a...
J'espère qu'il n'y a pas des profs de grec ici. Tout commence avec la source. Mais c'est ça ce qui est extraordinaire. Verset 11 nous dit, bien-aimé, bien agapao. Si Dieu nous a agapoé, nous devons aussi nous agapoyer, ou peut-être un truc comme ça. Ouh, la conjugation, c'est vraiment... Ça chauffe là, ça chauffe. Les uns et les autres. Et là, il rajoute ceci, que je trouve extraordinaire. C'est presque comme si cette phrase n'appartient pas dans le texte. Il n'a pas sa place dans le texte. Il dit au début de verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Qu'est-ce que ça a à voir avec tout le reste du texte? Tout. Parce que ceci est le point. Si nous agaparons les uns et les autres, Dieu se voit. On a trop longtemps pensé dans le milieu pentecôtiste que Dieu se manifeste par les miracles, les merveilles, les prodiges, les signes, les guérisons. Et ce n'est pas faux, pas entièrement. Mais combien de fois dans le Nouveau Testament il y a cette notion, Dieu devient visible. Quand toi et moi, nous marchons dans l'agapé, quelque chose se passe. Quand moi, j'arrive à me connecter à la source divine, et qu'avec cette chose qui vient de cette source, que j'arrive à étendre ma main, purifiant le tuyauterie de ma vie, de mon âme, pour te faire part de cet amour qui vient de lui, du Père. Et toi, tu étends ta main aussi, en faisant le mieux possible de nettoyer aussi ta tuyauterie, pour m'aimer en retour par cet amour que tu as reçu du Père. Et là, dans cette connexion d'agapé, cette connexion impossible à l'homme, impossible à ceux qui sont dehors, là, ils verront notre Dieu. Pasteur Jean-Pierre, que la réalisation ne consiste pas dans la distribution des traités, cela soit, mais peut-être que l'outil d'évangélisation, c'est là qu'un chrétien peut mettre.
pensée positive que la pensée négative. Amen. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la croix de Jésus. Il n'a pas triomphé la mort juste pour que tu puisses avoir une pensée positive. Il s'est ressuscité d'entre les morts pour que Dieu change ton cerveau. Pour te donner un nouveau cœur, restaurer ton âme, faire de toi une nouvelle création. Alléluia, Dieu n'est pas juste un blanchisseur. Non, c'est un transformateur. Je m'aime. Et je sais que c'est difficile pour quelques années ici. Tu trouves que c'est plus facile d'aimer ton prochain que t'aimer toi-même. Mais vraiment, réfléchissons juste un instant. Si tu n'arrives pas à appliquer cet amour divin sur toi-même, est-ce que tu vas vraiment réussir à l'appliquer sur quelqu'un d'autre? Donc, je m'aime. Non avec l'amour de Robert. J'aime le chocolat. Trop. Ouais. Délivre-moi, Seigneur. Mais pas tout de suite. Mais l'amour, je m'aime. C'est extraordinaire. Et c'est vrai, il y a encore des choses dans ma vie que je n'aime pas, que je change, mais j'aime. J'aime le fait que Dieu m'a choisi. J'aime le fait que Dieu m'a sauvé. J'aime le fait que Dieu a fait de moi un de ses fils. Comment puis-je avoir une attitude toxique par rapport à moi-même si Dieu a payé un tel prix? Levez-vous, s'il vous plaît. Troisième résultat. Ah, vous avez dit. Ouais, je sais. J'ai anticipé. Troisième résultat, je t'aime. Premier résultat, je l'aime. Deuxième résultat, je m'aime. Troisième résultat, je t'aime. Parce que je me suis connecté à la source d'un amour impossible. Oh papa, merci pour ta présence si précieuse. Si précieuse. Si je peux avoir l'équipe, le conseil spirituel s'il vous plaît, sur le devant. Merci. Merci juste à vous préparer et recevoir des gens pour la prière. Plusieurs personnes ici, vous êtes déconnectés de la source. Même si vous n'êtes pas trop éloigné de la source, mais vous êtes déconnecté quand même. Vous vous retrouvez ici ce matin, peut-être pensant que c'était juste un hasard, mais Dieu voulait que tu sois là parce que Dieu veut te restaurer. Il veut te reconnecter à la source de son amour. Un amour si puissant, si fidèle, si consistant, si persévérant. Cet amour te poursuit. Il te poursuit. Laisse-le te rattraper maintenant. Pour te changer et te transformer. Dans un instant, je vais te demander, si c'est toi, de quitter ta place, venir et prier avec un responsable. Ce n'est pas pour nous. On ne demande pas que les gens reçoivent la prière pour nous satisfaire. Mais quelque chose se passe quand tu quittes ta place, même si tu le fais tous les dimanches, peu importe, mais
Quelque chose se passe quand tu quittes ta place, tu te déplaces et tu dis avec quelqu'un, voilà, le Seigneur m'a parlé ce matin, ça c'est moi, aujourd'hui c'est le jour du changement. Et quand tu te mets en accord avec quelqu'un d'autre, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Cette œuvre du Saint-Esprit est libérée, accélérée, amplifiée. Donc tu t'es déconnecté du Seigneur. Ou peut-être tu t'es jamais connecté au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de la connexion. Vous êtes nombreux ici que vous avez des vrais, vrais, vrais problèmes en vous acceptant vous-même, en acceptant ce que vous êtes. Vous vous regardez toujours à travers les yeux humains et non à travers les yeux divins. Vous vous analysez toujours par les mesures de l'homme et non les mesures de Dieu. Aujourd'hui, ça stoppe. Amen. Plus de ça. Franchement, Dieu veut te libérer. Christ Jésus est mort sur la croix pour te libérer de cette prison. Amen. Il ne faut pas que tu restes là-dedans. Il ne faut pas que tu restes dans cette grotte humaine. La grotte que d'autres ont fabriquée pour toi, pour te mettre dedans, pour te contrôler, te manipuler. Tu viens à Jésus-Christ pour être libéré et aujourd'hui, c'est le jour de la libération. Alléluia. Merci Seigneur. Et si tu as besoin juste, peut-être pour une chose dont je n'ai pas mentionné maintenant, mais ton cœur est en train de battre dans la poitrine, tu sais même pas pourquoi, tu sais juste simplement que wow, j'ai besoin de prier avec quelqu'un. Donc tu vas venir aussi. Il y aura le temps, il y a la place. Ok? On va commencer à adorer le Seigneur. J'invite vraiment tous les frères et sœurs ici de vraiment mettre le cœur entier dans ce temps d'adoration. Pendant que d'autres personnes s'avancent, vous pouvez commencer dès maintenant à vous avancer pour la prière. Tous les autres, merci d'entrer dans ce temps de louange, de ne pas être distrait, mais focaliser vraiment sur le Père. Il ouvre bien grand le robinet de son amour ce matin, recevant-le au nom de Jésus. Amen. Ton amour.
m'attendre.